donc, au moment où M. Seguira donne le coup d'envoi, je reprends la compo de l'équipe carcassonnaise. Arrière, Jérémy Guiraud. Aux ailes, Thomas Barraud, Brahim Nari. Au centre, Nicolas Expert, Andreas Bauer. Charnière, Rhys Blesny, Amar Sabri. Les deux piliers, Romain Gagliazzo, Tyron Pau. Mathieu Alberola, talonneur. Seconde ligne, Sébastien Azema, Saya Makizi. Troisième ligne, le capitaine, Teddy Sadawi. Sur le banc, Romaric Bemba, Gareth Dean, Florent Rouanet, François Giovanni. Au rayon des absents du côté carcassonnais, David Delpoux et le capitaine, Christophe Oboli. L'arbitre de rencontre, M. Segura. Donc c'est parti depuis 37 secondes. Et une pénalité pour les Limouxins en position d'hors-jeu. Voilà. Limoux qui joue contre le vent marin. Oui. Un vent marin relativement fort. Allez, Denis, c'est reparti avec Artichil, le géant Limouxin qui vient de faire une grosse percussion. Il est plaqué aux 40 mètres, là, pratiquement. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay qui joue aujourd'hui talonneur en remplacement. Oh là 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 là. Alors, une perte de balle là, de Nicolas Piquet. Proposition inédite, se rendre chez le second classement général, c'est difficile. Allez, Denis. Allez, sur la mêlée, sur les 40 mètres du Vuxel, la balle est sortie. Ballon est arrivé jusqu'à Jérémy Guiraud, qui est venu s'intercaler. Mathieu Alberola, là-bas pour Saya Makizi, qui, je vous le rappelle, joue au poste de seconde ligue, qui progresse. Il est mis au sol sur les 30 mètres, Blanquetier. Alberola, Blené qui fête la passe là, qui s'engouffre, qui s'arrache. Il va retrouver Gagliazzo. On soutient, Gagliazzo va marquer. Au pied des poteaux sur cette échappée, plein champ de Rhys Blené. Cette rencontre, une défense un petit peu naïve du 13 Limouxin qui s'est laissé embarquer. Ma foi, on commence le match. Ce n'est que. Alors, 6-0 et 2 minutes, presque 3 minutes de jeu pour l'ASC de Nice. Ça commence bien. Parce que malgré tout, on se méfie. On sait que, quand même, si cette équipe Limouxin reste dans le match, eh bien, on sait qu'elle a des vertus de guerrière, même si aujourd'hui il lui manque certaines pièces maîtresses. Allez, sur le coup de renvoi, c'est Tyron Pau. Tyron Pau en percussion qui sort de ses 20 mètres avec le départ dans le bac. Saya Makizi qui rafute là-bas, qui a pu essayer de sortir son bras pour Alberola, avec toujours dans le fermé avec Teddy Sadawi. Teddy Sadawi, où s'avance beaucoup les avants carcassonnés qui progressent. Sadawi qui est mis au sol sur la ligne médiane. Alberola pour Blené. Blené qui croise encore avec Romain Gagliazzo. On est rentré dans le camp Limouxin. Gagliazzo qui est mis au sol sur les 40 mètres rouge et noir. Mathieu Alberola qui va retrouver Blené. Blené coup de pied rasant là-bas, qui va sortir en touche dans les 20 mètres Limouxin. Allez, une mêlée avec introduction pour Murcia, pour Piccolo maintenant. Piccolo pour Inès intercalé, mais on est aux 20 mètres. On joue trop lentement pour surprendre la défense jaune et noire. Allez, avec un ballon maintenant, c'est Bussia qui prend le seconde ligne. Qui a quand même franchi, qui a quand même gagné plus de 10 mètres. Allez, derrière le tenu, on va retrouver Ramage avec Shield, mais c'est arrêté tout ça. 4 carcassonnés attendaient le pilier du Limouxin. Allez, on essaye de se relever rapidement. Derrière le tenu, on va retrouver donc Sam Kay pour Nicolas Piccolo, qui croise avec. Oh là là. Piccolo qui a croisé avec. Je ne sais pas qui c'est. C'est le second de ligne. Non, c'est comment il s'appelle, Hérold. Hein. Hérold qui a pris un gros plaquage. Ah, il a été pris un travers, je crois un qu'il est. Un peu haut de peau, rien de méchant. Et, le jeu repart. Le jeu repart. Avec Sam Kay. C'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'il fait une faute sur le tenu. Et là, M. Segura. Bon, mais on va dire que quand on est groggy, on sort du terrain. Il y a l'encadrement qui est là pour veiller à ça. Denis, c'est un match sérieux. Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Allez, un plaquage de l'Inès sur. Et là, M. Segura. Bon. Ah oui, là, il le compte. Le siffle. Alors que je vois Pau aussi là-bas qui est en train de se faire soigner. Je crois que les deux joueurs, lui aussi, il a essayé. Et donc, allez, sur la pénalité qui a suivi ce plaquage haut, on est carcassonnés, sont revenus sur les 10 mètres. Avec un ballon pour Romain Gagliazzo, relais de Marc Sabri. Bel enchaînement, il est mis au sol sur les 10 mètres. Alberola, on rechoisit le côté droit pour Sébastien Azema. Azema, une passe sautée pour Nari. Nari qui va marquer un coin. Ah, une longue passe sautée de Marc Sabri pour Nari, Brahim Nari. Essai de Brahim Nari, un coin. Monsieur de la Rose, on a dit quelques mots à Monsieur Segura. La transformation est complètement loupée. Donc 10-0 où Phil Ramage va donner le coup de renvoi. Et que Hérold est sorti et a été remplacé par Thibaut Bracconi. Donc il est bien KO le joueur. Oui, il aurait fallu le faire de suite. Allez, sur le coup de renvoi, c'est Romain Gagliazzo. Romain Gagliazzo en percussion qui est mis au sol. Et Tyron Pau qui va. Alors que Mathieu Alberola est en train de partir. Au ras du tenu, là, il est repris par Shield avec autour d'Azema. Azema en percussion.
La défense Limoula monte bien, monte vite. On est sur les 30 mètres Carcassonne. Tyrone Pau qui a mis un magnifique bandeau lui aussi parce qu'il est ouvert. Allez, Teddy Sadaoui, je vous rappelle qu'il porte le numéro 13 de troisième ligne. Ballon Bléné là-bas qui croise à l'intérieur avec McKenzie. McKenzie qui se heurte à trois défenseurs limouxais. On est sur les 40 mètres Carcassonne. C'est le dernier tenu. On va jouer au pied pour Amar Sabri. Amar Sabri, un coup de pied décroisé. Que Phil Ramage va laisser sortir là-bas le ballon. Le top là, ça va repartir immédiatement. Voilà, bon ballon pour Michael Murcia. Murcia là-bas pour. C'est Phil Ramage qui prend le ballon. Non. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, une pénalité là maintenant. Bon, heureusement, hein, parce que ça faisait quand même le troisième ballon tomber au premier tenu. Ça commençait à devenir dramatique. Et c'est Mayence Mathieu qui gagne du terrain, apparemment pas mal, puisqu'il reporte le jeu aux 45 mètres dans le camp de Carcassonne. Je crois que c'est la première fois que Limoux vient avec le ballon dans le camp de Carcassonne au bout de 10 minutes. Allez, Murcia. Murcia pour Braconnier. Oh là là, Braconnier qu'on attendait. Il se protège pas trop ce joueur. Il est généreux dans l'effort. Allez, on l'a mis au sol. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay qui joue aujourd'hui, je vous le rappelle, talonneur. Sam Kay pour Nicolas Piccolo. Piccolo pour Artichit. Artichit qui a hésité un petit peu, qui n'est pas arrivé bien lancé. On l'attendait au coin du bois. Allez, on y va vers Phil Ramage qui croise avec le second de ligne, Mucian qui a pu donner le ballon alors que c'est bien joué à Inès. Un très bon relais des Rouges et Noirs, c'est la première fois qu'ils organisent ce genre de situation aujourd'hui. Allez, pénalité. Est-ce qu'ils vont la taper, Denis? Non, il la joue à la main. Il préfère la jouer à la main. Allez, c'est parti avec Thibaut Braconnier qui s'en va au casse-croûte. Allez, c'est bien dommage. Allez, on y va, alors on continue, on est au 15 mètres face au bar de Carcassonne avec Sam Kay maintenant pour Murcia. Murcia qui prend le trou. Oh là là, un plaquage assez haut sur Murcia. Non, monsieur l'arbitre, on ne dit rien. Ils ne l'ont pas coupé un 2, non, ça va. Allez, ça repart avec Nicolas Piccolo. Piccolo qui donne à Phil Ramage. Ramage qui donne à Bucien. Bucien qui amène beaucoup et qui n'a pas pu donner le ballon à Almarcha. C'est bien dommage. Il amène ce joueur à Limoux. Hein. Allez, Phil Ramage maintenant. Phil Ramage pour Artichil, mais il n'est pas lancé. C'est pas bien joué de la part du Mousset, mais Phil Ramage a pu. On a pu donner le ballon et Artichi lui a pu le redonner avec Murcia là-bas. Murcia qui prend le trou. Voilà. On laisse jouer. C'est reparti à zéro. Allez avec le second de ligne là-bas qui. Almarcha Mathieu, pardon, qui est plaqué à quelques centimètres de la ligne de jeu. Quel dommage que Murcia n'ait pas donné au centre. Allez, Léon ouvre. Si on va au bout, là, grand côté de la part de Limoux avec Ramage, mais pas de soutien malheureusement. Position de hors-jeu de la part des trois quarts carcassonnés. On va reporter le jeu à un mètre de la ligne. Allez, Almarcha maintenant. Almarcha qui s'en va. Voilà, un très bel essai. C'est Murcia qui marque un essai comme en avant. Presque au milieu des poteaux de Nice. C'est une belle réaction des Rouges et Noirs. Magnifiquement mené par les 13 Limouxins. Ramage, voilà. Transformation. Allez. Au milieu des poteaux. Ils ont failli s'embrasser, mais pas de la même façon. C'est rien de la même. Allez, Bléné qui donne le coup de renvoi, un grand coup de pied. Et à la réception, Ramage. Ah, Ramage qui donne le ballon à Bucien. Quel carton. Je prends le second de ligne du Limouxin. Il est renvoyé sur le cul, notamment par Azema. Allez, derrière le tenu, on retrouve Phil Ramage qui essaie de partir. Il prend un petit côté, mais il est bien plaqué par notamment Amar Sabri. Là. Derrière le tenu, on retrouve Almarcha. Sébastien qui va à la corne. Il est plaqué aux 30 mètres. Allez, on a gagné plus de 25 mètres en tenue. Kay qui croise avec Chid. Chil qui est arrêté mais qui ne veut pas passer le ballon. Il est plaqué au 45 mètres, toujours dans le camp de Limoux. Derrière le tenu, Sam Kay pour Piccolo pour Braconnier. Braconnier qui n'était pas lancé, va quand même arriver aux 50 mètres. On est au 5e et dernier tenu et on va essayer de franchir la ligne magique des 50 mètres par l'intermédiaire de Inès qui tape un coup de pied à suivre tout à fait médiocre et qui tombe dans les bras de Najri. Il y a eu quand même une mésentente là sur ce 5e tenu, ouais. Entre deux joueurs de Limoux et le ballon est arrivé à Inès un peu qui ne s'y attendait pas. Hein. Allez, Carcassonne sont repartis là, en percussion avec Jérémy Guiraud, avec un président Alberola qui part au ras du tenu, qui est pris et retourné par Bucien et Nicolas Piccolo sur la ligne médiane. Allez, Sabri pour Bléné. Bléné pour Tyrone Pau. Tyrone Pau là-bas qui essaye de progresser. Mais ballon tombé, que dit monsieur l'arbitre. Ballon arraché. Bléné va tenter de trouver une touche. On vous rappelle le score. 10-6 après un quart d'heure de jeu, la fin du premier quart d'heure ici. 10-6, deux essais pour les Carcassonnés, un pour les Limouxins. Avec Sayama Kizi qui arrive lancé là-bas sur le top pénalty. Aura qui rentre dans les
20 mètres Limouxin qui est mis au sol derrière le tenu Alberola. Alberola pour Blené qui va retrouver Telis Adaoui. Telis Adaoui là qui est repris du bout du pied. Ça repart Alberola pour Blené. Blené, longue passe pour Sabri. Sabri pour Alberola, pour Azema. Azema sur un pas pour Guiraud. Ah, c'est bien joué, mais la défense de Limouxin. C'est repart alors que Lucien a récupéré le ballon. Oula, le ballon alors que là, derrière. Que dit monsieur Segura, il va pénaliser et carcassonner pour un plaquage avec le coup d'un second sur le Limouxin. Allez, c'est reparti, le match a enflammé complètement, on est aux 50 mètres. Et c'est Stéphane Hessel qui joue pour Ramage. Ramage pour Piccolo qui va à la corne, il est plaqué aux 45 mètres. C'est en train de se réchauffer dans les tribunes aussi, Denis, pardon. Allez, Braconnier, il joue arrêté. Braconnier, il est blessé ce joueur, on le sent, et il joue sur la défensive, on va dire. Allez, il n'a pas son rendement habituel. Sam Kay pour Michael Murcia. Murcia qui est cueilli aux 40 mètres. Nous sommes dans le camp de Carcassonne. Allez, derrière le tenu, le talonneur. Sam Kay qui s'en va derrière le tenu. Un coup de pied à suivre du talonneur. Mais que le ballon va tomber directement dans les bras de Guiraud, l'arrière carcassonné. Allez, Guiraud qui récupère ce ballon, qui est pris sur ses 20 mètres par Kay justement. Derrière le tenu, Thomas Barraud qui essaie de sortir. Qui est refoulé par la défense de Limouxin là. Qui monte très vite là pour l'instant. Les Limouxins se sont, avec cet essai, se sont véritablement révoltés avec un départ maintenant d'expert autour à présent d'Andras Boer. Andras Boer venir en percussion. Et les fans de Limouxin étaient présentes autour de Romain Gagliazzo qui charge, qui tombe sur Chid là-bas. Mais Romain Gagliazzo qui est mis au sol pratiquement sur les médianes. C'est le cinquième tenu avec Alberola qui tape un rasant là-bas, qui va sortir. Sur un temps qui ne sort pas, qui est récupéré par Adam Inès sur ses 10 mètres. Et Inès est pris par les chasseurs Carcassonne. Et oui, on est aux 10 mètres dans le camp de Limoux. Derrière la tenue, on retrouve Hervé Marotte maintenant. Et puis, comment il s'appelle, Bastien Almarcha qui reprend le ballon. Mais là, on n'a pas guère gagné le terrain côté Limouxin. Et ça chauffe. Hein. Allez, Albert Noumec, qu'il y a 10 à 6. Oh là là, quelle erreur. Allez, c'est Lucien qui va à la corne. On n'a pas de buteur dans cette équipe à Limoux. On fait n'importe quoi à côté Limouxin, Denis. Et c'est une mêlée sur les 15 mètres Limouxin pour les Carcassonnais qui bénéficient donc d'une balle en or, on va dire, un ballon qui arrive là-bas à Expert. Expert qui est refoulé sur une montée rapide des Limouxin. Derrière le tenu, on va retrouver Saya Makizi qui essaye de progresser. Et il est repris, il a gagné quelques mètres. Allez, Alberola qui va sortir ce ballon. Alberola va retrouver Tyrone Poe sur le côté opposé là-bas, en percussion de le Pilar. Eh bien, il perd le ballon. Et que dit monsieur? Un ballon mêlé en avant, ballon perdu par Tyrone Poe. Mêlé, introduction par Michael Murcia, le capitaine rouge et noir. Piccolo pour Inès intercalé. Inès qui est plaqué au 10 mètres. On chasse bien côté Carcassonné. Derrière le tenu, on va retrouver Ramage. Ramage qui donne le ballon à Stéphane Sell, le néo-lésignanais. Allez, Stéphane, il a gagné quand même quelques mètres. On va retrouver maintenant de nouveau Philippe Ramage qui donne le ballon à Chid. Chid qui essaie de déménager, mais il est attendu le pilier Limouxin. Il a guère gagné de terrain là. Allez, on est au 20 mètres. On est au 20 mètres. On se relève rapidement. Allez, avec Sam Kay et Piccolo qui part à la corne. Mais là, on joue. Là, dans un petit périmètre, les Carcassonnais attendent les attaquants du Limouxin de pied ferme avec Murcia. Murcia qui croise avec Almarcha, que c'est bien joué ça. Mathieu. Oui, Mathieu. Alors qu'il y a un Carcassonnais allongé là-bas sur le crochet. Allez, Sam Kay pour un très bon coup de pied apparemment de Murcia qui a pu donner un bon coup de pied qui tombe dans les bras de Guiraud, l'arrière Carcassonnais de Lille. Guiraud qui part en contre-attaque, qui suit de plaquage. Un troisième, un quatrième, il perd ce Blanchin. Oui, il est repris par Inès alors qu'il a deux joueurs Carcassonnais à côté de lui. Ah, il était dans l'euphorie complète. Et ça repart là-bas avec Romain Gagliazzo. Gagliazzo en percussion, qui est mis au sol, qui est pris là-bas, qui est stoppé. Allez, on revient avec Tyrone Poe. Alors que là-bas, il y a un joueur Carcassonnais toujours, c'est Alberola. Qui récupère, ça y est, qui s'est relevé. Blené qui retrouve Saya Makizi là qui est pris, on est revenu sur les 10 mètres de cette équipe de Limouxin. Là, Jérémy Guiraud avait fait un exploit, mais il a mangé derrière le 3 contre 2 avec Romain Gagliazzo toujours en position de ballon. Et la pénalité, arrachage, ils sont 3 Limouxin. Il y a quand même quelques erreurs tactiques et techniques, on va dire. Voilà, merci monsieur. Pénalité réussie par Jérémy Guiraud. Ça concrétise un petit peu cette nomination jaune et noir, Denis.
Allez, coup de renvoi de Ramage à la réception là-bas. Bléné qui va retrouver Tyrone Poe qui arrive lancé, qui est pris, il était attendu. Bonne défense de braconnier de Samke sur les 20 mètres. Un ballon pour Sabri pour Guiraud là-bas pour Boer. Et Boer qui est là, il y a le surnombre là, qui revient à l'intérieur, qui retrouve Guiraud. Guiraud, oh là, une passe et Sabri ne peut contrôler le ballon. Et derrière, on va revenir à la première faute. Énorme de Inès, ça fait deux fois qu'il coupe les vérités. Carcassonne. Allez, c'est parti avec Inès Intercalénia pour Murcia. Murcia Mayans, Mathieu, là-bas. Il est plaqué, allez, aux 45 mètres. Nous sommes toujours dans le camp de Limoux. Derrière le tenue, on va retrouver le capitaine Limouxet. Murcia qui s'en va à petit côté avec Marotte. Marotte là-bas. Marotte en boule là-bas, oui, il est plaqué. Allez, on a quand même gagné 10 mètres. Nous sommes dans le camp de Carcassonne, aux 45 mètres, exactement. Allez, Murcia qui donne un bon ballon aux deuxième ligne. Mathieu Almarcha qui fait vraiment une saison extraordinaire avec les Rouges et Noirs. Allez, on s'en va à petit côté là-bas. Oh, que c'est pas mal trop mal joué de la part de Samke qui est plaqué aux 20 mètres dans le camp de Carcassonne. Ça chauffe. Allez, derrière le tenu. Le capitaine Murcia. Oh, un très bon ballon pour Ramage avec Lucien. Lucien qui se fait percuter. On est aux 15 mètres face au poteau. Et il y est. C'est le cinquième et dernier tenu. Que va faire le capitaine Limouxin? Un coup de pied à suivre. Un coup de pied très très long. Très très long le coup de pied. Et Anis. Oh là 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 là. Les Carcassonne est plaqué dans la butte. On va voir un renvoi sous les poteaux. Non. Non, c'est arrêt de volée de Thomas Barraud dans le but. Et renvoi 20 mètres, ça repart très vite avec Nari qui vient en hauteur, qui est plaquage haut là. De Bussia. Ça va partir sur cette pénalité sur les 30 mètres qui va permettre aux Carcassonnais de se rapprocher de la ligne médiane. Voilà qui fait un ballon, même les Carcassonnais qui viennent sur les 35 mètres Limouxin où ils vont jouer le top pénalty. Avec Mathieu Alvérola qui va retrouver Sabri. Sabri, longue passe de Sabri pour Bléné. Bléné là-bas. Pour Guiraud sur un pas pour Expert qui est pris par la défense de Limouxin. Et on repart avec Jérémy Guiraud qui va attaquer la ligne de défense de Limouxin qui est pris sur les 25 mètres. Blanquetier, Mathieu Alvérola pour Gareth Dean qui vient de faire son entrée en percussion qui est pris qui est dans les 20 mètres. Alvérola pour Bléné qui va croiser, non, qui retrouve Bemba qui est pris, ils tiennent debout les deux piliers. Bemba et Dean qui ont remplacé Pau et Gagliazzo avec Alvérola qui part du tenu, qui crochette et qui est repris là-bas sur la ligne d'un but. Il est repris à 10 cm, c'est le dernier tenu. Sabri pour Bléné, passe au pied de Bléné là-bas. Pour qui? Et un ballon pris de volée par Michael Murcia. Dans son but, arrêt de volée. Et ça va repartir pour les Rouges et Noirs. Au 20 mètres, nous en sommes à 12-6 après 25 minutes de jeu. Allez, fini Ramage avec un ballon pour Lucien. Oh, grosse percussion du seconde ligne Limouxin. On assiste à un match somptueux, Denis. Que c'est joli de arriver à 13 quand c'est joué comme ça. Allez, Samke pour Ramage. Ramage qui croise avec Stéphane Sell qui va à la corne. Il tombe sur les quatre, les deux piliers de l'ASC là. Il se relève difficilement. Allez, Samke pour le jeune. C'est Jérôme Lafont qui vient de faire son entrée avec les Rouges et Noirs. Allez, derrière le tenu, on va retrouver Samke qui donne le ballon au capitaine Murcia. Murcia qui donne à Inès intercalé. Inès pour Mayans là-bas. Mayans, Marotte à Moulin. Marotte toujours. Marotte qui est échappé. Marotte qui est passé. Il ne peut pas donner le ballon. Ah, quel dommage, on est à 15 mètres de la ligne d'essai. Allez, Murcia maintenant. Murcia qui voit le jeu. Murcia qui donne le ballon à Ramage. Ramage qui redonne. Qui va tout seul. Et il ne peut pas aplatir l'ouvreur. Quel dommage, il a aplati sur le dos. Allez, on est au cinquième et dernier tenu. Jérôme Lafont pour Michael Murcia. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, on joue à la main. Qu'est-ce qui se passe? En avant. Et dans les 30 secondes suivantes, c'est Ramage qui a été arrêté sur la ligne de but de la Carcassonnaise. Allez, Ramage. Ramage Inès avec Murcia intercalé. Oh là là. Murcia qui porte trop le ballon mais qui n'est pas tenu. Il se relève, allez, il est plaqué aux 15 mètres. Nous sommes au côté populaire là-bas. On va avoir une attaque grand côté sûrement. Par l'intermédiaire, non, par petit côté. Allez, avec le second de ligne Bussian qui est allé porter le feu là-bas en bout. Avec. Tenu mal joué. Il y a beaucoup d'intention dans ce match. Et puis, on le disait, il y a quelques fautes techniques et tactiques aussi. Allez, c'est reparti pour les Carcassonnais avec sur la mêlée qui est une percussion derrière la mêlée de Romaric Bemba qui est mis au sol sur les 20 mètres avec une équipe carcassonnaise qui a beaucoup de mal en ce moment. Les Carcassonnais sont sous la pression Limouxin. Limoux qui joue plus vite que les Carcassonnais. Allez, Bemba encore. Bemba qui vient après. On essaie de se dégager au centre du terrain, de progresser, mais la défense Limouxin est présente. Giovanni qui vient de faire son entrée au poste de talonneur. Ballon pour Makizi qui redonne à l'intérieur alors qu'il y en a en avant les Carcassonnais.
qui aussi commettent des fautes. Ici, allez, mêlée aux 40 mètres avec une introduction pour Murcia. Murcia qui a pu donner le ballon à Jérôme Lafont. Jérôme Lafont derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay. Je crois que les Limousins ont laissé un petit peu d'énergie là. Allez, ramage, un ballon pour Stéphane Sell. Stéphane Sell qui est plaqué. Oh, très très bien plaqué par Sabri. Allez, on joue avec Bastien Elmarchat qui s'en va. Bastien Elmarchat qui va, bon, ça sert à rien ça. On a gagné 25 cm je crois. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay. Sam Kay pour Schild qui n'était pas lancé. Schild qui est toujours droit. Allez, il est au 25 mètres face au poteau, Artichid. Qu'est-ce qu'on va faire les Limousins avec Sam Kay et puis le capitaine Murcia qui montre l'exemple aujourd'hui pour Mayence là-bas. Mayence qui est passé, non. Il ne peut pas remettre le ballon à Marotte. Cinquième et dernier tenu, nous sommes à 10 mètres dans la ligne d'essai de Carcassonne. Allez, Murcia, qu'est-ce qu'il va faire? Un coup de pied. Oh, un joli coup de pied de Murcia. Pour qui? Et pour l'ailier Carcassonne qui est refoulé dans son but. Et il va y avoir un renvoi sous les poteaux. Grosse nomination de la part des Carcassonne. Et après un premier quart d'heure à l'avantage des Carcassonne, eh bien maintenant le deuxième quart d'heure, puisque nous sommes juste à la demi-heure de jeu, est à l'avantage de Limousin. Allez, Murcia, quelle partie! Il prend un tampon de chez Tampon. Allez, il se relève. Le seconde ligne de Limoux avec Phil Ramage et Artichid maintenant. Mais Artichid, il prend aucun ballon lancé aujourd'hui. Hein. Il faudra lui dire que ce serait mieux. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay. Sam Kay qui donne le ballon à Murcia pour Ramage. Ramage qui croise avec Inès intercalé là. C'est pas trop mal ce que font les Limoussins pour l'instant. Inès toujours droit. Et il a gagné pas mal de terrain l'arrière Limoussin. Derrière le tenu, on va retrouver Phil Ramage pour braconnier Thibault. Thibaut qui s'en va se jeter sur Bimba, là, notamment Edin, qui l'attendait au coin du bois, derrière le tenu. On va retrouver une fois de plus, et c'est pas Sam Kay qui fait une grosse partie. Allez, Phil Ramage, un bon ballon pour Murcia. Oh, Murcia qui bloque pas mal d'actions, hein, là. Dommage, le demi-mêlée capitaine des Rouges et Noirs. Il est plaqué au 15 mètres, face au poteau, derrière le tenu. Sam Kay pour Ramage. Ramage qui a donné un coup de pied à suivre. Et puis le ballon va sortir. Il va y avoir encore un renvoi. Il faudrait peut-être marquer des points. Allez, un bon ballon. Je lance, c'est toujours pareil. C'est Phil Ramage qui le rattrape. Allez, va-t'en, Artichid. Qu'est-ce qu'il va nous faire déjà? Là, cette fois-ci, il est lancé. Il m'a écouté. Là, il a emporté un petit peu, là, un peu tout le monde sur son passage. Il se relève, le pilier du Moussin. Derrière le tenu, on va retrouver Bastien Elmarchat pour Ramage. Ramage pour Jérôme Lafont. Jérôme Lafont qui est plaqué là. On n'a pas trop progressé. On était au 35 mètres dans le camp de Carcassonne. Derrière le tenu, Sam Kay pour le capitaine Murcia qui a pu donner un bon ballon à Mathieu Elmarchat. Il est plaqué au 30 mètres. Derrière le tenu, on va retrouver le capitaine Limoussin qui part avec Jérôme Lafont qui donne à Mayence là-bas. Mayence qui est surveillé. Il est plaqué au 20 mètres, Mayence. Oh, il est refoulé de 5-6 mètres. On est revenu pratiquement au 25 mètres. Allez, on est en bout là-bas avec Sam Kay qui donne à Murcia pour le jeune Vaquerin qui vient de faire son entrée, le junior là. Le neveu d'Élie Vaquerin, le fils d'Élie Vaquerin et le neveu d'Armand, de la grande époque de Béziers. Un coup de pied rasant et ça va repartir, non, pour Carcassonne cette fois-ci, Denis. Oui, le coup de pied rasant a été contré par Mathieu Alvérola qui le récupère lui-même et ça faisait un long moment que les Carcassonnes n'avaient pas touché le ballon. Allez, avec Expert qui a rafuté un premier. Alors, pénalité, puisqu'on a soulevé. Oh, c'est ridicule ça, une fois de plus. C'est faute un peu de jeunesse là. Et bon, mais on sait, du coup, c'est vrai aussi, on est emporté par l'enthousiasme aussi. Et parfois, on commet la faute. Une énorme touche trouvée par Blenet avec l'appui du vent. Mais on rappelle que les Carcassonnes, malgré le vent dans le dos, ne mènent que 12 à 6. Giovanni sur les 20 mètres pour Sébastien Azema. Les 20 mètres Limoussin. Azema qui est mis au sol. On est rentré dans les 20 mètres. Allez, ça repart pour Sabri. Sabri qui croise avec Bemba. Bemba qui est repris. Les Carcassonnes qui ne parviennent pas à trouver la faille avec Giovanni. Longue passe pour Sabri. Sabri là-bas pour Blenet. Blenet qui va trouver pour Roy. Oh, interception! Interception de Murcia. Interception de Murcia. À l'intersection, on est au 20 mètres dans le camp de Limoux. Avec Mayence qui part derrière, on est au 30 mètres. On a gagné beaucoup de terrain côté Limoussin. Allez, on lâche pas le joueur, on retarde un petit peu. C'est le bon de guerre. Allez, derrière le tenu, on va retrouver Murcia, le capitaine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas. Mais en fait, c'est bien dommage en récupérant un ballon en étant dominé comme ça. Ah oui, venez faire une belle interception. Le ballon est revenu sur la pénalité. Giovanni qui joue au top pénalty. Florent Rouané qui vient de rentrer à la place de Macchisi en seconde ligne. Il est mis au sol à moins de 10 mètres et on écarte, on essaie d'y aller en percussion avec Elie Sadaoui qui essaie de progresser, qui est bloqué là-bas à 3 mètres à la ligne d'embut de Limoxine, des Carcassonnes pour le moment qui piétinent. Giovanni pour Dean, longue passe
pour Blené pour Sabri. Sabri qui va essayer de prendre l'intérieur, mais là, qui peut libérer pour Azema. Azema pour Boer. Et Boer qui va marquer. Ah, magnifique libération de balle d'Amar Sabri pour Azema. Et Azema pour Boer. Et cette libération de balle a surpris au moment où je me dis, où j'allais me préparer à dire que l'AS Carcassonne ne parvenait pas à trouver la faille, à créer l'intervalle. Eh bien là, l'arrière sans faute de Carcassonne, l'arrière sûr de la SEC. Allez, le ballon s'élève et passe entre les barres. 18-6 à la 35e minute de jeu. Il reste 5 minutes, un peu moins de 5 minutes. Elle vient de faire un petit break. N'oublions pas que les Carcassonnais vont jouer en deuxième mi-temps. Vent de face, alors que Florent Rouanet est à la réception. Il avance le second denier carcassonnais à la réception du ballon et il progresse une vingtaine de mètres. Allez, un ballon pour Gareth Dean, pilier gallois, qui va lui aussi avancer. Il est mis au sol à son tour. Derrière le tenu, François Giovanni. Giovanni qui retrouve Amar Sabri. Amar Sabri pour Andras Boer. Andras Boer qui rentre en défense et qui est mis au sol. Derrière le tenu, on joue très vite. Giovanni. Giovanni qui va franchir le médiane, qui va être pris par Bussian et par le numéro 17, Vaquerin. Allez, on écarte du côté carcassonnais. Boer. Boer là-bas pour Jérémy Guéraud qui arrive dans l'intervalle là-bas. Avec, c'est le cinquième tenu, on est sur les 40 mètres. Blanquetier, on part dans le fermé avec deux plaquages à retardement. Cette fois-ci sur Boer. Boer qui. Pardon, pas Boer, c'est Rhys Blené qui est resté au sol. Deux plaquages à retardement sur Blené, c'est sérieux. Allez, c'est reparti sur la pénalité avec encore une fois Florent Rouanet qui est pris à 5 mètres à ligne d'un but d'Imouxine. Derrière le tenu, Giovanni. Giovanni qui retrouve Dean. Dean en percussion qui est pris, qui tient debout là. Il est à 3 mètres, 4 mètres, on le fait reculer. On le met sur le reculoir, la défense de l'Imouxine au pilier carcassonnais. Giovanni. Giovanni qui va recroiser avec Telly Sadawi, mais Telly Sadawi n'est pas lancé, donc il est mis au sol, toujours à 3 mètres à ligne d'un but. Allez, on va sortir ce ballon de Giovanni. Longue passe pour ça. Bemba. Non, Bemba qui est arrêté. Qui ne peut. Là, pour là, les Carcassonnais piétinent là. Face au poteau sur les 5 mètres. Ils ne parviennent pas à trouver la bonne combinaison. Giovanni sur le côté gauche pour Blené. Blené qui crochète et qui va marquer. Tout seul. Rhys Blené, le demi-d'ouverture Carcassonnais. Là, qui va marquer tout seul avec deux crochets. Lui qui avait été à l'origine du premier essai. Et qui vient là d'effacer. Trois défenseurs limousins avec deux crochets intérieurs pour aller marquer au pied des poteaux. Bon, Denis, soyons clairs. L'addition risque d'être corsée en deuxième mi-temps si les Limousins ne resserrent pas la vis. Voilà, la transformation passe. 24 à 6. Et donc, la Sirène, voilà, dans 10 secondes, c'est à la réception là-bas. Blené récupère le ballon pour Gareth Dean. Et sur Gareth Dean qui va percuter, qui avance là, bien lancé. La Sirène retentit. Il joue le tenu. Ballon pour Blené. Blené là-bas. Qui retrouve Rouanet à l'intérieur. Et c'est. Monsieur Xuron n'a pas entendu la sirène. Voilà, la sirène voilà. Qui retentit pour une deuxième fois. Et c'est la mi-temps ici au stade Albert Domecq sur une première belle mi-temps. Oui, très très belle mi-temps. Un peu dommage pour cette. Eh oui, si, ça vient de redémarrer depuis 17 secondes. Première avec deuxième tenue et une très bonne mêlée, Robert, pour les Limousins. Et c'est parti avec Murcia, puis Ramage qui croise avec Inès, l'arrière qui est plaqué au 20 mètres. Oh, on a reculé le 20 mètres. Oh, là. Les Carcassonnais qui plaquent, qui ont porté derrière les Limousins sur plus de 10 mètres. On a reculé de 10 mètres sur le coup. Allez, on repart à l'attaque. Oh, là, n'importe quoi. Michael Mayence a fait une passe à Braconnier, très très mauvais coup. Les Carcassonnais récupèrent le ballon immédiatement au deuxième tenu, ça ne change pas. Allez, quelques fautes, deux fautes là, en l'espace, une de chaque côté en l'espace de 30 secondes. Allez, Sadawi est mis au sol sur les 40 mètres. Dean qui s'échappe là, qui progresse. Il est pris sur la ligne médiane là. Bonne progression du pilier gallois de l'AS Carcassonne. François Giovanni qui joue au talon pour Blené dans le petit côté avec Florent Rouanet. Florent Rouanet, bonne progression là aussi, les secondes lignes. On va regarder Giovanni, Blené pour Dean pour Bemba. Bemba qui va essayer de. Qui échappe en premier plaquage. Il revient dans le paquet. Romaric Bemba, il est mis au sol sur les 25 mètres Limouxin. Giovanni pour sur le côté droit, Amar Sabri là-bas pour Guiraud intercalé. Guiraud qui essaye de partir
qui ne peut, qui est repris dans les 20 mètres là-bas. Giovanni qui perd dans le fermé avec Nari qui va mal. Oh, qui lâche le ballon là-bas. Mais il était, je crois, de toute façon, l'essai n'a pas été marqué. C'est un départ aux 20 mètres pour les Limousins. Allez, on est en deuxième mi-temps. On joue depuis 2 minutes. 24 à 6 pour Carcassonne. Et Limoux joue à 12. Hein, rappelons que Limoux évolue à 12 pour l'instant. Allez, un plaquage retardé sur le fond de la part de la défense carcassonnaise. Donc, on va avoir une pénalité. Pénalité, et c'est Phil Ramage qui tape le coup de pied. Voilà, excellent coup de pied de Phil Ramage qui reporte le jeu aux 40 mètres dans le camp de Carcassonne. Alors, il faudrait que les Limousins marquent l'entrée. On rappelle le score, 24 à 6. Hein, 24 à 6, c'est ça. Allez, un ballon pour... c'est la seconde ligne, Bussien. Bussien qui vraiment aura montré l'exemple au rouge et noir aujourd'hui. Allez, il est plaqué aux 30 mètres. Nous sommes dans le camp de Carcassonne, bien sûr, avec Ramage. Ramage qui a croisé avec Vaquerin, le junior. Vaquerin qui est plaqué aux 27 mètres. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay pour Mayence. Mayence pour Lafond, Lafond pour Marod, là, qui est venu prêter main forte. Mayence et Michael, hein, puisque oui. Son frère, c'est lui qui dort. Hein, pour le moment. C'est vrai, c'est Michael. Allez, Murcia qui part petit côté avec Jérôme Lafond. C'est pas mal joué, ça. On est à 20 mètres pratiquement dans le camp de Carcassonne. Derrière le tenu, on retrouve Inès. Inès pour le capitaine Murcia. Murcia qui a une longue passe pour Ramage. On a traversé tout le terrain pour le seconde ligne, Bussien. Oh, mais on a guère voulu, on a pu redonner le ballon. Oh, c'est bien pour Stéphane Selle qui a pu jouer le ballon derrière. Stéphane Selle qui écarte. Et pour Braconnier. Et ce ballon n'était pas pour lui. Il s'est fait utiliser le ballon, Braconnier. Allez, oui, ballon pour Carcassonne. Il s'est fait piquer le ballon par Riz Blené, qui est au moment où il a pris le ballon. Brené, pardon, le ballon qui est arrivé, il a pris Blené en même temps que le ballon lui arrivait. Et. Donc c'est Blené qui a pu récupérer la gonfle, alors que là-bas c'est Boer. Boer qui est le centre carcassonnier, qui essaye de s'arracher, qui est mis au sol sur les 30 mètres carcassonnier. Azema pour Bemba. Bemba qui évite un premier plaquage, qui avance, qui est mis au prix, qui est plaqué sur les 40 mètres. Derrière, alors qu'il y a un joueur, c'est là-bas, c'est Stéphane Selle. Stéphane Selle qui a un genou à terre du côté opposé. Carcassonnier là-bas qui sont avec Sébastien Azema sur les médianes. C'est le cinquième tenu, ballon pour Amar Sabri. Amar Sabri, coup de pied. Tendu là-bas qui va sortir. Non, il ne sort pas. Dans l'angle de la ligne en but, c'est Adam Inès qui va le récupérer. Mais il va être pris par les chasseurs. Carcassonnet qui le bouscule en but. Le centre de Moussing est aussi blessé. On va finir. Chil vient de rentrer. Mais heureusement. Coup de renvoi, c'est Blené. Blené qui récupère le ballon. On renvoie sous les poteaux, mais un grand coup de pied. Et Dine qui a chargé, qui est mis au sol sur les 40 mètres de Limoussing. Allez, Giovanni qui retrouve Blené. Blené qui échappe. 1-2. Un premier plaquage qui est repris par la patrouille Limouxine. Là. Derrière, tenu encore Giovanni qui va retrouver Florent Rouanet. Florent Rouanet, tel un petit bison là qui progresse. Il est mis au sol sur les 20 mètres Limouxine. Et on va choisir le nom avec Télis Adaoui pour Blené. Blené pour Sabri. Sabri là-bas qui trouve Azema lancé. Azema qui est bien pris là-bas. Par la défense Limouxine. On est sur les 10 mètres Blanquetier. On va renverser, que dit monsieur, pénalité. Contre Azema, oui. La faute elle est contre lui. Allez, c'est Ramage qui donne un petit peu d'oxygène à ces Limousins qui en ont vraiment bien besoin. Il reporte le jeu aux 45 mètres, mais dans le camp de Limoux, 24 à 6 pour la SEC. On est à la 46e minute de jeu. Allez, Artichide qui s'arrête au moment de l'impact. Allez, il est plaqué là, vraiment une grosse défense de Carcassonne. Allez, premier tenu, ballon tombé par les Limousins, récupéré par les Carcassonnais. Comment voulez-vous? Allez, Denis. Ah ben Artichide a attendu, puis quand il a libéré le ballon, le joueur Limouxin, qui était destinataire du ballon, ne l'attendait pas. Manque d'attention, manque de concentration. Hein. Alors que là, Dean, ils sont trois dessus pour le mettre au sol. Hein, Garrett, Dean sur les 40 mètres Limouxin. Giovanni encore pour Florent Rouanet, qui percute là la défense. Là, ça, deux, avec, et on va repartir avec Dean encore. Dean qui retrouve Blené. Blené qui va essayer, là, qui tombe sur Schitt. Allez, qui peut libérer derrière lui pour François Giovanni, que c'est bien joué là-bas pour retrouver Boer qui rafute, qui essaye de retrouver Brahim Nari à l'intérieur. Nari a dû reculer pour récupérer le ballon, alors que Gagliazzo remplace Dine avec Télis Adaoui, pas très lancé, qui ne parvient pas à bien progresser. Il est mis au sol sur les 15 mètres. On repart dans le fermé. Giovanni pour Boer. Boer qui ne peut libérer ce ballon. C'est le cinquième tenu. On est toujours sur les 10 mètres. Ballon pour Sabri. Sabri pour Blené. Blené, coup de pied rasin. Contré. Et sur le bar, Michael Mayence. Course poursuite entre Michael Mayence et Riz Blené. Et Mayence. Et son frère a trouvé son frère. Et ça va être laissé, alors que Blené avait été
bousculer sans ballon. Mais essai pour Mathieu Mayans qui vient de faire son entrée et qui se signale malheureusement un essai tout à fait transformable par Phil Ramage. Et il manque Malaisien et le perdant recevra Pia Oulutessé. Allez, c'est reparti avec Phil Ramage qui récupère le ballon pour Artichide. Artichide qui percute, Artichide qui n'est pas passé, on l'attend, hein, Artichide. Allez, il est arrivé quand même aux 20 mètres, Artichide. Il va se relever. Derrière le tenu, on va retrouver le talonneur aujourd'hui, c'est Sam Kay le talonneur. Sam Kay qui donne un ballon à Errol. Oui, c'est Errol. C'est Errol qui vient de faire son entrée. Il a été secoué en début de match, le jeune Limousin. Et là, il revient de faire son... Allez, Piccolo, Nicolas, le vieux Brisco. Oh, Piccolo qui s'en va à l'abattoir. Il est tombé sur les bras accueillants de la défense carcassonnaise. Une très bonne passe. Très bonne passe pour l'autre. C'est Al-Marchand Mathieu, le second de ligne. Allez, il va se relever. Il va se relever. Et on joue rapidement avec Mayans et Murcia. Allez. La pénalité contre les 13 contre Mayans, local.com sur internet et puis sur le site de la SC13 dès le milieu de la semaine à venir. Allez, les Carcassonnais qui sont revenus sur les 20 mètres Limouxet avec la pénalité. Giovanni qui a lancé son seconde ligne. C'était donc à présent au tour de Sadaoui, donc après ce premier relais de Rouanais. Sadaoui qui est pris à 5 mètres à ligne, Giovanni pour Bléné qui longue passe là-bas pour Sabri pour Boer à l'intérieur pour Guiraud qui jette le ballon pour son ailier et ballon perdu par les Carcassonnais. Et oui, encore une nouvelle fois, les Carcassonnais ont été échoués. Ah oui, ils ont été échoués, au ras. Allez, en marcha, Bastien qui s'échappe derrière le tenu, il est au 20 mètres derrière le tenu. Oh oui, c'est bien joué côté Limousin. C'est Phil Ramage qui vient de faire une petite pige. Allez, ça repart rapidement du mano à mano de Limousin. On est aux 40 mètres, ça joue très très vite les Limousin. Allez, avec maintenant Jérôme Lafont qui va percuter. Allez, il est percuté dans notre 5e tenue, notre 45 mètres dans le camp de Limoux. On n'a pas franchi la ligne. Et un coup de pied de déplacement de Sam Kay qui va tomber dans les bras de Guiraud, Denis. Et c'est Thomas Varro, le 3 carrés là, qui récupère ce ballon. Qui perd ce ballon. Il glisse, il perd le ballon. Et ballon radio au Limouxin. C'est vrai. 30 mètres Carcassonne. C'était Varro, excusez-moi. Allez, c'est Murcia le capitaine qui récupère le ballon. Et c'est Marotte qui va à la corne. Grosse défense carcassonnaise. Allez, derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay. Sam Kay qui donne le ballon à Artichide qui force, non. Il évite le contact. Artichide, il était pas lancé, le géant Limouxin. Il est plaqué aux 20 mètres. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay. Le talonneur pour Nicolas Piccolo. Piccolo qui ouvre pour Phil Ramage, bien placé. Là-bas en bout avec Lucien droit qui a donné le ballon derrière. Mais malheureusement, le ballon a été récupéré par les jaunes et noirs. Eh oui, donc récupérer. Dès qu'on s'approche de la ligne en ce moment, il y a des fautes de part et d'autre. Allez, Andras Boer qui part en position au ras du tenu, en position de premier attaquant et qui sort des 20 mètres. Qui est mis au sol. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre. Brahim Nari qui va percuter, qui va avancer, qui est mis au sol sur les 30 mètres. Carcassonnais. Allez, on retarde un peu le tenu. François Giovanni qui retrouve Bléné pour Tyrone Pau qui va essayer de rafuter, de contourner et qui avance, qui est mis au sol sur les 45 mètres. Il joue le tenu très vite. Ballon pour Nicolas Expert qui va de suite percuter là sur la ligne médiane. Derrière le tenu, François Giovanni pour Bléné. Bléné pour Teddy Sadaoui qui est pris, c'est le 5e tenu avec Giovanni encore qui tape par-dessus. Ah, un petit coup de pied qui a mal donné, qui va dans les bras d'Adam Inès. Allez, l'arrière Limousin remonte le terrain un petit peu puisque nous sommes déjà aux 25 mètres dans le camp de Limoux. Ça va très très vite, on se régale avec pour maintenant autour de Phil Ramage, je pense qu'il y a le ballon. Voilà, c'est ça. On est aux 30 mètres dans le camp de Limoux. Derrière le tenu, on va retrouver le capitaine qui donne à Artichide. Artichide qui va à la corne, mais il est attendu, notamment par Gardine. Oh là là, ils s'y mettent à 3 ou 4 pour le plaquer. Il est arrêté, le Jean. Il va se relever. Plaqué aux 40 mètres qu'il est. Derrière le tenu, on retrouve Murcia pour Jérôme Lafont qui revient. Il revient au même endroit de Chile. Allez, il a pu donner le ballon quand même. Allez, c'est au tour maintenant. Je pense que c'est du second de ligne Bussian. Voilà. Non, Al-Marchand, pardon, excusez-moi. Allez, un coup de pied à suivre de Sam Kay qui va tomber dans les bras de Thomas Barreau, c'est ça ? Thomas Barreau qui reste tomber le ballon, mais comme c'était derrière, il n'y aura pas non avant. Et il remonte le terrain, le lié carcassonné, et il est plaqué aux 20 mètres, Denis. Voilà, il est sorti de ses 20 mètres, il est mis au sol. Derrière le tenu, Bléné va retrouver Jérémy Guiraud qui est pris, qui est tamponné. Bon plaquage de Sam Kay.
avec derrière la tenue Nari. Nari qui est pris immédiatement là, par deux défenseurs du Mouxin. Les Carcassonnais là qui n'ont pas gagné un mètre. Allez, derrière la tenue, on va essayer de partir avec Tyrone Pau. Tyrone Pau, ras du tenue, qui charge là. Lui, il a progressé. On l'a mis au sol avec. Ils sont trois Limoussins sur le pilar Carcassonné. Derrière la tenue, Mathieu Alberola qui vient de faire son retour pour Riz Blené qui va retrouver les bras d'Adamines. Oh, magnifique réception. Magnifique réception de balle de Denis de la Rière Limoussin. Inès Adamines qui a pris ce ballon de volée. Derrière la tenue, on retrouvera Murcia, le capitaine. 15 minutes de jeu, 24 à 10. Excuse-moi, Robert. C'est rien. Michael Mayans maintenant qui est plaqué donc aux 30 mètres. Derrière la tenue, on retrouve Murcia pour Piccolo pour Phil Ramage là-bas. Ça joue très très vite. On assiste à un match de rugby à 13 d'un haut niveau, d'une vitesse folle. Ah, de folie. Oh là, il n'arrête pas que sur les jaunes, les noirs, rouges et noirs. Allez, ça va très vite. Allez, Murcia pour Sheed. Et voilà. Oh là là. Et c'est Mayans qui récupère le ballon. Mayans qui est plaqué. Et qui a été plaqué par Esper. Allez, Mayans pour. Hérold qui percute, mais Hérold est remis sur le reculoir par trois défenseurs. Carcassonne derrière le tenu. On est de 45 mètres dans le camp de Carcassonne. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay. Oh là, Sam Kay qui fait une passe de maçon. Et c'est Murcia qui a pu taper un coup de pied à suivre dans les bras directs de Guiraud. Ouais, Guiraud qui perd ce plein jeu. Guiraud qui perd ce plein jeu là-bas. Il a Sabri à ses côtés. Il va revenir à l'intérieur. Oh là là. Une nouvelle erreur. Quelle erreur. Guiraud qui s'enflamme et qui revient se mettre sa palais. Sur Inès, on attaque sur le côté droit encore avec Bléné. Bléné là-bas pour Nari. Et Nari qui est repris à 2 mètres à ligne d'but. Et les Limoxens qui sont pénalisés dans le vent. Ah, mais c'est vrai que si Marc Denis, c'est somptueux. Voilà. Et Sildon aussi, c'est somptueux. Alors que là, Gagazo, attention, Gagazo est retourné. Il y a du carton jaune dans l'air là-bas, du côté Limoxen. Ah, c'est carton jaune à Piccolo, je crois. C'est une pénalité, 5 mètres à ligne d'en but sous les poteaux, Limoxin. Et on joue à la main avec Mathieu Alberola qui retrouve Romain Gagliazo en percussion, qui est bloqué par trois défenseurs. Limoxin derrière le tenu avec Alberola là-bas pour Azema. Azema qui est encore refoulé et qui va être porté en touche. Non, il n'a pas été porté en touche, il est pris du côté opposé là-bas, 50 cm de la touche. Alberola pour. Bléné avec un mal là. Pau qui libère derrière lui pour Sabri. Et le ballon est récupéré, est intercepté par un Limoxin. Mais l'action carcassonnaise était belle. Ah oui, but, deux, trois phases de Carcassonne qui auraient mérité quelques points. Allez, on est reparti avec les Limoxins qui vraiment se font mettre sur le reculoir. Ils jouent à 12 une fois de plus. Ils auront passé. Beaucoup de temps à 12, les rugbymen de Limoux. Allez, c'est Sam Kay qui est. On est déjà au troisième tenu, on n'a pas avancé de mètre, pas de Utah. La défense, Carcassonne avait au grain. Allez, on y va au grand large avec Philly Ramage qui a pu donner un ballon là-bas à Jérôme Lafont. Jérôme Lafont, allez, Philly Ramage derrière qui peut donner à Almarcha Bastien. Bastien qui est plaqué là-bas aux 20 mètres. Grosse défense carcassonnaise qui étouffe toutes les intentions de jeu de ces rouges et noirs. Allez, on va être obligé de taper sûrement puisqu'on ne sait plus quoi faire du ballon côté rouge et noir. Et c'est Ramage qui donne ce ballon dans les bras directs de Guiraud. De Barreau qui est repris là-bas. Un beau plaquage de Murcia et de Samke sur la ligne médiane. Alberola pour Makizi. Makizi qui vient de faire son retour sur la pelouse, qui est pris, qui est mis au sol sur les 40 mètres. Limoxin avec Andreas Boer qui vient prendre ce ballon au ras aussi. Très bon match du côté du centre comme Damar Sabri. Allez, on va croiser avec Florent Rouanet. Florent Rouanet qui est repris sur les 20 mètres de Limoux avec Mathieu Alberola là, derrière le tenu qui retrouve Bléné. Bléné qui va retrouver Télis Adaoui alors, qui va aller s'échapper là-bas. Oh, qui est repris à 5 mètres à ligne d'en but. Et on va encore avec Alberola. Longue passe Alberola pour Sabri. Sabri sur un pas pour Azema. Azema qui revient à l'intérieur. Qui va retrouver Rouanet. Oh là là. Et Rouanet qui retrouve Sabri et ballon perdu. Alors que de l'autre côté là-bas, c'est le côté intégral ouvert. C'est du Ségura à 100%. Allez, un ballon pour Jérôme Lafont. Jérôme Lafont pour les rouges et noirs. Alors, on joue depuis 60 minutes de jeu, 24 minutes. Mais que d'occasion loupée du côté Carcassonne. Hein. C'est vrai. Allez, Artichit, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, pour voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Artichit qui percute, là, il est plaqué aux 30 mètres. Nous sommes dans le camp de Limoux. Vraiment, ils subissent énormément, hein, les rouges et noirs. Là. Allez, Sam Kay derrière le tenu. Sam Kay pour le capitaine Murcia. Murcia qui peut donner à Almarcha, Mathieu. C'est bien joué, ça.
Mais il est plaqué notamment par Expert comme il faut. Allez, Mayens qui part petit côté. Mayens qu'on attend au crâne du bois là. On y fait un bon tampon au joueur Ali Mouxin. Allez, il se relève. Il se relève de suite derrière le tenu. On va retrouver Mimi. Kyle Murcia pour Sam Kay. Sam Kay pour Rerol. Mais on s'est arrêté tout ça. Oh, et c'est Murcia qui fait le juste ici. Il reporte le jeu aux 25 mètres dans le camp de Carcassonne. 24 à 10. Et il reste 20 minutes ici. Un match énorme. Un match énorme des deux équipes. Allez, Murcia. Murcia pour Rerol. Rerol qui va percuter comme un fou. Oh, il est retourné comme une crêpe, le joueur Ali Mouxin. Et un non-avant sur le tenu. Allez, voilà. Non, mais j'exagère un petit peu, c'est vrai, mais on ne peut pas gagner un match quand on n'arrive pas en bout de chaîne. C'est pas possible. Allez, Andras Boer, c'est la sortie de mêlée qui part derrière le tenu Mathieu Alberola. Alberola qui est repris là par les défenseurs du Mouxin sur les 35 mètres derrière le tenu Amar Sabri. Amar Sabri qui va retrouver Makizi. Makizi qui est pris, qui avance, mais qui est mis au sol, qui est stoppé derrière le tenu Mathieu Alberola. On vous rappelle le score, toujours 24 à 10. Pour l'AS Carcassonne, Alberola qui part dans le fermé, qui s'échappe là-bas, qui va retrouver Azéma à l'intérieur. Azéma qui va, qui essaye de retrouver son ailier là-bas, mais la passe était de toute façon en avant. De l'autre côté, Azéma remet le ballon en jeu. S'il y avait eu un jaune et noir, ça n'aurait pas été trop mal. Allez, Ramage a sorti le ballon avec Murcia. Maintenant, Murcia qui est plaqué aux 20 mètres. On n'a pas évolué, et vraiment, on n'a pas gagné un mètre côté rouge et noir. Derrière le tenu, Inès. Inès pour Hérol, à nouveau qui repart à la corne, le jeune, oh là, il se fait tourner. Il y a des ces plaquages, c'est pas mal pour rigoler aujourd'hui, je peux vous le dire. Allez, Murcia pour Mayans. Mayans qui donne le ballon à Bastien, à Mathieu Almarchat qui va se faire porter en touche là-bas. Bon. Match très correct, mais avec mais de feu, un engagement de feu. Un ballon pour Amar Sabri qui va essayer de sortir ce ballon. Non, il est pris sur les 35 mètres Limouxin. Derrière le tenu, Alberola pour Romain Gagliazzo. Gagliazzo qui percute, qui avance, qui est mis au sol derrière le. Mais la défense Limouxine qui ne craque pas. Derrière le tenu, Alberola pour Makizi. Makizi qui tombe le ballon. Et en avant, là, il vient de perdre un ballon. Un bon ballon, et c'est une balle pour les Limouxins sur leurs 27 mètres. Allez, c'est Mayens, Mathieu qui prend le trou, il prend rien du tout, parce qu'il prend un bon plaquage, il est plaqué aux 30 mètres. Derrière le tenu, on va retrouver Mayens, puis Hérol. Il prend des ballons, mais alors il se fait, il te prend de ces tampons terribles. C'est pas un match amical aujourd'hui. Allez, derrière le tenu, Murcia pour Artichit qui revient. Arti qui vient monter, oh là là. Allez, une nouvelle pénalité contre Carcassonne, je pense, puisqu'on a soulevé le Limoussin. Pour Limoux, on est aux 40 mètres dans le camp de Limoux. On va passer aux 35 mètres dans le camp de Carcassonne. 24 à 10 toujours pour la SEC, les jaunes et noirs. Allez, un ballon pour Hérol, qui aura pris un nombre incroyable de ballons ce soir, ce jeune Limoussin. Allez, il est plaqué aux 30 mètres dans le camp de Carcassonne. Derrière le tenu, on va retrouver Sam Kay pour finir à manche. Une très bonne passe derrière pour Mayans maintenant. Mathieu Mayens qui est surveillé, qui prend un bon mouchoir, qui a pu quand même donner le ballon à Stéphane Selle derrière, malgré trois défenseurs. Stéphane Selle qui se l'ombre dans la défense carcassonnaise, mais qui est plaqué aux 35 mètres. On est revenu au point de départ. Derrière le tenu, Sam Kay pour Filiramage. Filiramage, un bon ballon. Alors, un bon ballon pour Murcia. Mais alors, Ramage a fait le ballon, a passé le ballon au cordeau, il a pris un tampon. Allez, Sam Kay qui s'échappe derrière le tenu. Sam Kay pour Almarchal. Le volontaire Almarchard qui s'est fait voler le ballon. Ah, il a libéré derrière lui pour un carcassonné. En l'occurrence, c'était Bléné. Allez, un ballon là pour Thomas Barraud. Thomas Barraud qui arrive à lancer. Il n'y a pas de cadre en défense. Un engagement physique féroce. Hein. Ah, vraiment, alors que c'est Andras Boer qui joue de son poste d'arrière, puisque on a remodelé la ligne d'attaque carcassonnaise avec Boer qui est passé arrière à la place de Guiraud qui est sorti. Et Makizi qui vient de récupérer ce ballon là-bas, qui est passé au centre. Allez, Makizi qui essaye de progresser, qui est mis au sol sur les 45 mètres carcassonnés. Un ballon pour Pau à hauteur, qui rentre dans le camp Limouxin, qui est pris. C'est le cinquième tenu, Alberola pour Bléné. Bléné qui tape un petit coup de pied par-dessus. Il va le récupérer lui-même. Oh, il va le libérer pour qui? Pour Alberola. Alberola pour Azéma. Azéma qui va retrouver Expert. Et Expert qui va marquer. Aucun essai au départ encore une fois. Avec chaque dimanche suffit sa peine, on va dire. Et la transformation est réussie. Et il sait tout faire, ce type. Il sait tout faire. Transformation de Bléné. Sans dire que les remplaçants font défaut. C'est loin de là, notre pensée, mais
C'est vrai que, bon, allez Denis. Non, mais on a vu, on savait que l'État limousin, on avait eu hier Pierre Merville, qui avait, dans l'émission Rugby League, avait donné, dans l'émission de Roger Bouichou, que cette équipe du 13 de Limousin ne serait, viendrait pas abattue. Eh bien, elle a montré qu'elle est venue avec un énorme état d'esprit, malgré les blessures, malgré les absences. Et vraiment, rien que pour ça, grand coup de chapeau. Et tant mieux pour les milliers de spectateurs qui nous ont rejoints à l'enceinte de Domecq. Allez, c'est reparti pour les Carcassonnais avec Gadine qui met avec Boer dans l'intervalle. Et Boer qui est repris sur la ligne médiane, qui joue le tenu pour Alberola. Alberola pour Bléné. Bléné pour Sabri. Sabri qui ne peut pas contrôler le ballon. En avant. Ne doit pas avoir été touché. Allez, c'est reparti pour le 13 Limousin avec Inès. Inès qui a pris le ballon. Il est plaqué aux 50 mètres. Les rouges et noirs, comme les jaunes et noirs, qui ont dépensé beaucoup d'énergie. Piccolo pour Erol. Oh là 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 là. Quel est ce jeune. Il te fout de ses percussions énormes. Allez, Erol avec Sam Kay pour maintenant autour du jeune Vaquerin qui est plaqué aux 40 mètres dans le camp de Carcassonne. Oh là là, on retarde un petit peu le tenu. Côté Carcassonne avec Ramage. Maintenant, Ramage pour qui croise avec Stéphane Sell. Stéphane Sell pour Inès, mais c'est tellement téléphoné ça que. On n'a pas trop gagné de terrain côté rouge et noir. Derrière le tenu Sam Kay pour Nicolas Piccolo. Piccolo qui donne un bon coup de pied, qui va tomber dans les bras. Et les bras de la sortie, puisqu'il va y avoir un renvoi au 22 pour Carcassonne. Voilà, qui va retrouver Nicolas Expert, auteur du dernier essai carcassonné. Allez, derrière le tenu Alberola. Alberola pour Brahim Nari. Nari qui a failli échapper. Il s'échappe. Il est passé. Le 3 carrés, elle est là. Plein champ, il est repris. Il a porté le ballon. Sur 40 mètres, il est remis en sort dans le camp limousin. Ça repart avec Bemba qui revient dans les avants là, de rouge et noir et qui progresse dans la défense limousin. On est sur les 30 mètres là derrière. On va retrouver Bléné qui va feinte la passe et qui trouve Dean qui va retrouver Rouanet là qui est repris par Michael Mayens. Voit que c'est un très bel enchaînement, mais une bonne défense limousin et on va écarter avec Boer pour Sabri. Passe au prix de Sabri, là-bas pour Bessenari, mais Nari qui est pris par son vis-à-vis là-bas au moment où il a pris le ballon. Il a pris en même temps le plaquage du défenseur limousin à un mètre à ligne. Et on ressort ce ballon encore pour Sabri. Nouvelle passe au pied de Sabri. Cette fois-ci récupérée par Erold, devant sa ligne d'un but. Erold qui est... Et qui commet un en avance. C'est un renvoi sous les poteaux, puisqu'il a commis un en avance. Il n'a pas joué depuis 3 semaines, à contrario des limousins. Alors que là, bien joué de la part de Ramage qui a donné un petit coup de pied et qui a récupéré le ballon lui-même. Oui, dommage, Piccolo est revenu se remettre dans la défense alors qu'on aurait pu faire autre chose. Allez, oh, ça joue très très vite avec Marotte maintenant. Les liés Limousin, on est au 25 mètres dans le camp de Limoux. Sam Kay pour. Je crois que c'est encore le jeune Erol qui s'il a pris un nombre impensable de ballons, ce jeune aujourd'hui. Il est plaqué aux 30 mètres dans le camp de Limoux. Une partie à 300 à l'heure. Allez, on y va avec Bussian qui donne un ballon. Oh, que c'est joli! Pas de soutien malheureusement pour Ramage qui s'est échappé, qui a laissé tomber le ballon. Et le Vaquerel n'a pas pu le récupérer. Alors on va revenir à une mêlée, Denis, puisque la première faute a été Limouxine. C'est introduction de Sabri. Bléné qui retrouve Nicolas Expert. Nicolas Expert qui va progresser là, qui bouscule Michael Mayens et qui Michael Mayens le met au sol sur les 40 mètres avec Thomas Barraud qui essaie de partir dans le fermé là, qui est repris par les deux frères Mayens et il a échappé à la touche de Thomas Barraud. On va écarter avec Bléné qui retrouve Gareth Dean qui est pris sur les 20 mètres par 3 défenseurs limousin avec Mathieu Alberola derrière le tenu. Grande passe là-bas pour Bléné là-bas pour Sabri avec un ballon pour Azema, mais qu'Azema ne peut contrôler. Il reste 7 minutes de jeu au stade Albert Domecq, 30 pour Carcassonne et 10 pour Limoux. Allez, Nicolas Piccolo pour Inès intercalé l'arrière limousin plaqué au 25 mètres. Allez, on va se relever rapidement si on peut. Derrière le tenu, on va retrouver Nicolas Piccolo pour Stéphane Sell qui va essayer de donner la corde. Mais là, c'est stérile. On part sur un tenu. Allez, derrière le tenu, on va retrouver Mathieu Mayens qui donne à Piccolo. Piccolo qui n'a pas pu faire la passe. Il est plaqué, Nicolas, aux 30 mètres en 3 tenues. On a guère avancé côté rouge et noir. Mais caisse de partie a été vive d'un côté que de l'autre. Sam Kay qui s'échappe au ras du tenu. Sam Kay qui est bien plaqué, notamment par Nicolas Expert derrière le tenu, retrouve Mayence, Mathieu pour Nicolas Piccolo pour Philippe Ramage.
Finramage qui donne un ballon là-bas à Stéphane Sel qui peut donner à Bastien Lamarchat. Bastien Lamarchat qui se fait plaquer et on a perdu plus de 20 mètres sur le coup. Côté des Mouxins, on ne va pas assez vite pour surprendre ces jaunes et noirs de Carcassonne. Allez, on va se relever. Bastien Lamarchat derrière le tenu, on retrouve Stéphane Sel qui peut donner le ballon à Finramage. Et voilà, la seule chose à faire c'était ça, c'était récupérer le ballon et ça va partir à zéro sûrement puisque les jaunes et noirs ont Oui, ça repart à zéro. Allez, c'est Finramage donc qui avait le ballon. Avec maintenant autour du jeune Vaquerin d'aller défier cette match de gala pour ce jeune junior. Hein. Il est accueilli à bras ouverts par Pau notamment. Ah, s'il va jouer à pied de main, il va être. Il sera frais. Ah, allez, frais, Piccolo, ouais. Piccolo qui donne derrière à Inès intercalé. Oh, Inès qui a pu prendre le trou, mais il ne peut pas donner le ballon malheureusement au second ligne, Mathieu Lamarchat. C'est bien dommage. Allez, on se relève. Inès se relève derrière le tenu. Samke pour. Almarchat, Mathieu cette fois-ci, Mathieu Almarchat qui est plaqué aux 35 mètres. Allez, il faudrait que les Limouxés marquent un essai peut-être avec maintenant Bucien, Piccolo qui essaie de prendre le trou. Il est plaqué aux 25 mètres, 5e et dernier tenu, fait signe, Monsieur Segura, l'arbitre de la rencontre derrière Nicolas Piccolo. On va avoir Sam Kay qui donne le ballon à Finramage. Finramage qui donne un coup de pied croisé et un petit peu long peut-être. Et oui, il va sortir un ballon mort, ce qui va permettre aux jaunes et noirs de Carcassonne de partir aux 20 mètres. Qui est pourtant son point fort habituellement aujourd'hui, alors que là il y a un plaquage haut de Piccolo sur Nicolas Expert, les joueurs carcassonnés, voilà, et que Blené botte en touche. Un ballon qui va sortir là sur les 45 mètres carcassonnés. Alors Denis, on rentre dans les 4 dernières minutes. Voilà, avec Alberola pour Florent Rouanet qui vient percuter, qui franchit la ligne médiane et qui est mis au sol sur les 45 mètres, Blanquetier. Alberola pour Dean. Oh, qui prend un énorme plaquage là de Hérold. Un magnifique plaquage d'Hérold. Giovanni qui avait fait son entrée. Bemba aussi qui est pris par deux défenseurs de cette équipe limouxine. Piccolo et Hérold encore. Avec Dean encore. Là, on s'explique à coup de gros plaquage et à coup de grosses percussions. Mais ça reste correct, il faut bien le dire. Hein. Ah, allez, sûr. Blené, petit coup de pied tendu, qui va partir là-bas. Non, mais Inès le récupère, il essaye de sortir de son embut et il y réussit. Il a réussi derrière Léon Xen à sortir le ballon, heureusement, il avait 10 cm, mais le... Comment il s'appelle Mayence. Ballon perdu en avant. Voilà. Ballon perdu par les Limouxins sur le plan. 10 mètres, Limouxins. Allez, Blené là-bas pour Sabri. Sabri qui va, donc qui est pris, ça manque un peu de soutien, donc Amar Sabri a gardé le ballon. Allez, derrière le tenu, on est dans les 20 mètres Limouxins, autour de Romary Bemba. Bemba qui vient, là, qui est pris à son tour. La belle défense, cette équipe de Limoux, qui ne lâche absolument rien. Hein. Autour de Gareth Dean. Dean qui percute, qui bouscule, qui est pris, qui est mis au sol à 3 mètres à une d'un but de Limouxine. Alberola, longue passe pour Blené. Blené qui va mettre le drop face au poteau, drop de Blené. Très intelligent. Drop de Blené à la 78e minute. J'ai pas bien compris, j'ai pas vu ce qui se passait. Le coup de renvoi, là, c'est à la réception des Carcassonnés avec Gareth Dean. Il s'est passé pendant que nous parlions quelque chose, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est pas grave. Allez, Bemba qui arrive, qui est lancé, là, qui progresse, qui est mis au sol à la sortie des 20 mètres derrière le tenu. Il est pris. Il est plaqué derrière le tenu Alberola pour Sabri. Sabri qui perd ce plein jeu. Sabri qui va taper par-dessus. À la course là-bas, retour d'Almarchat. Ballon non contrôlé. Récupération d'Azema. Azema qui va retrouver Makizi. Et Makizi qui oublie son ailier. Mais c'est pas possible ça. Ce n'est pas possible là. Il oublie son ailier. Et il lâche le ballon. À un mètre, il en but. Que d'occasion perdue par. Alors par manque de collectif là du côté carcassonnais là, et c'est la fin de la rencontre qui se sort de 31 à 10, victoire de l'AS Carcassonne qui donc ira jouer à Lézignan au Stade du Moulin dimanche prochain.